Bah, je vais en profiter, parce que certains l'ont déjà vu, mais je vais vous présenter les deux personnes, les deux charmantes personnes avec lesquelles je joue maintenant. Qui partagent ta vie. Voilà. Il y a Gabi à la basse. Et il y a Monsieur Piuk à la batterie. Je tiens aussi à vous préciser, puisque vous êtes tous en plein cursus où vous êtes intéressés uniquement par tout ce qui joue vite, tout ce qui est très technique. Ça n'a rien à voir avec le Murgle Trio, ce que vous allez voir ce soir. Ce sont des chansons. Ouais. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a que lui qui joue vite. Et nous allons commencer par la première chanson. Donc un morceau qui s'appelle Questions. Sensitivement. Ça va? Allez, allons-y, on se chaud. We'll be right back.
choses à peu près ce qui se passe. Ouais. Donc, toi, c'est pas tout. J'ai mis l'oreille, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Je me penche. Ah. Il te penche pas? Alors maintenant, vous allez justement découvrir l'organe de celui qu'on appelle le tyrannosaure du chant. Voilà, un magnifique morceau. Je crois qu'il n'est pas nécessaire qu'on parle plus ce soir. On va dire n'importe quoi. La la la. C'est toujours un plaisir de jouer devant. Musée Grévin. Tu peux appeler les mecs devant. Toujours une ambiance étrange, hein, ici.
Vous pouvez vous lâcher, hein, il y a vos professeurs, mais ils sont gentils dans le civil. Il y a les chefs, on peut pas. Vous pouvez pas quoi? Oh, c'est mon petit jour joli, hein, je vais venir à chaque concert. Mais si tu peux pas. Thank you.
Il est bien loin le temps du jazz rock. Maintenant, une coupe merveilleuse, sublimée par la voix terrifiante de notre ami Gabriel Weg, que bien des castrats lui envient. Des castors lui envient, tu veux. Des castors, non, ça, c'est pas ça, moi, lui envient. On démarre ensemble ou tu démarres tout seul? Bon, il va peut-être démarrer tout seul. Tu veux pas faire le bassiste hétéro? Le temps de les. Allez, Gabriel, à la basse! Ouais! C'est plus tard, il y aura un chorus de basse, mais c'est très court. Donc on démarre tous ensemble plutôt. Ouais. Quelle modestie. Prenez-en la graine, les guitaristes. La plupart d'entre vous, vous auriez fait un solo. Lui, non. Ouais. Mais lui, non, c'est pas. Parce que j'en suis incapable. Il va reprendre la chaîne. On va s'en comprendre. Ah, mais il fait soif. C'est une chanson qui s'appelle Supernova. Thank you.
Normalement, il la rattrape. C'est pas grave. Allez, bonjour. Fais chier. Putain, les gars, ça c'était énervé. J'en ai cours, il était difficile. Alors, c'était comment le concert de Nio? Ils applaudissent pendant les solos, tu peux leur demander quand même. Ah oui, mais pour m'applaudir à la fin des morceaux, je les entends pas pour moi. Ils sont là pour toi. Allez, ouais. On enchaîne avec un très bon. Bon, je déconne, c'est juste pour relancer.
régie, là. Me casser la gueule, là, si je continue. Et... C'est rigolo, dans certains endroits où on joue, on est inspiré pour dire des conneries, puis là, ce soir, pas du tout. Mais non, c'est pas une connerie, qui est le micro. Hey, mais il est bête. Copain, il est bête. Rigolo. Et oh, oui, c'est peut-être vous, ça. Je bougerai quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mort, les pieds de micro. T'es là. Petite, petite pique. Homo micro. En plus, il est un peu rebelle. Bon, bah, vous êtes bien des musiciens, le second degré, c'est un truc qui vous... Bah, attends, ils sont en plein travail. Ah oui, ils sont en plein travail. Bah, recul. Putain, t'as de boulot. Masterclass. Ça sera devenu des feignants comme nous, il n'y aura plus de soucis. Ah, c'est sûr qu'à la fin, ça va être un masterclass de l'odeur qui va rester. On va analyser le premier morceau, alors. Vraiment le contrôle. On a vu le son. Pourtant, c'est pas compliqué. Ah. Oui, c'est un morceau, c'est pas une blague. C'est simplement un peu bas. I'm going slamming, man. I need your help. I'm like a fool betting on your head. Ami bassiste, regardez bien avec rien ce qu'on peut faire.
Capi. Thank you.
sur le basse. Prenez le temps de vous asseoir. Vous êtes plutôt jeune. Thank you.
Sur le retour. Christophe Godin. Un peu chaud. Bravo. Je porte une planche de bain avec le passage cyclé. J'ai joué du jazz. Je suis désolé. Méfiance. Un morceau qui s'appelle Toy Crusher, que nous traduisons par toi le cruchon. Tout de suite, allez. Ouais,
Yeah.
Et c'est pour son, les gars. Merci pour les éclairages aussi. Allez, à demain matin pour certains d'entre nous et puis aux autres, longue vie.
morceau s'appelle Swamp King.